Good afternoon and happy new year in advance to all the TBCians all over the world. Today is one of an exciting moment for the TBC family, and we are here with one of our TBC member who wants to give an exciting testimony with what TBC has actually happened in his life. Bonjour madame et monsieur, ici nous sommes avec une membre de TBC qui est vraiment là, Monsieur Camden Florel, qui est vraiment là pour donner un petit témoignage de ce qui est TBC lui a déjà fait dans sa vie. Bonjour Monsieur Camden. Bonjour Président, je suis vraiment très ravi parce que vous voyez cette chose de vous qui est en haut, c'est TBC. Wow. On dit toujours que la crypto-monnaie, c'est l'opportunité de l'heure. Et TBC est en train de faire différent entre les crypto-monnaies. Enfin, c'est une monnaie qui grandit chaque jour et selon l'accroissement de membres dans le groupe, effectivement. Et le but dans ce partage, c'est que nous partons le projet d'être millionnaire, comme vous êtes en train de le voir. Cette belle maison déjà devant vous, qui est en chantier, et qui a presque fini. Wow. C'est avec l'argent TBC. Wow, this is so fantastic, guys. Are you hearing what he's saying? He's saying this duplex that you see up here, it is thanks to TBC that he has been able to realize this. I remember when he came to the house one day and I asked him to join TBC, and he never dreamt of having a house like this. But today he's standing here to testify that because of TBC, he has been able to have this house. Est-ce que nous on peut passer dedans et tu nous montres un peu comment cette maison est? This is the main sitting room, and you have the VIP room that way, and also you have the kitchen and the dining room, the dining part of the house. So, wow, on peut monter. Okay, on peut monter. Okay, merci. Bon, dis-moi, combien de temps que vous êtes en TBC et ça vous a fait réaliser tel genre de projet? Je suis à TBC depuis le 21 novembre 2016. 21 novembre 2016, donc exactement, ça fait presque un an que vous êtes à TBC. Waouh, ça c'est intéressant. Un an plus. Oui, un an plus, un jour. Comme vous voyez ici, c'est la montée, et donc j'ai placé la chambre d'enfant à la montée. Ok, c'est the children's room. Mm-hmm. All right. Là, c'est une petite salle de table. Okay. Avec le balcon. Wow, can you see the balcony out there, guys? Mm-hmm. Et ici? Ici, c'est ma chambre personnelle. This is his personal room. On appelle ça souvent quartier général. Quartier général, oui. Wow, ça c'est intéressant. C'est le quartier général. Ok, mais nous allons encore aller dehors pour d'autres appartements. Ah bon? Appartements à louer. Dehors, pas dehors là-bas? Oui, pour l'appartement à louer. Bon, je pense que on peut s'arrêter là et les gens ont déjà vu. Ok, guys, hello all the TBCians all over the world. Today, you have seen what TBC has been able to realize in his life, the life of Mr. Camden Florel. Actually, he started TBC 1 year, 1 month, because he started since last year in November. And today you can see this beautiful house that he has been able to build. It is still, he's almost doing all the finishing touches, and he has said that we should come and testify because that is what actually TBC has been doing in his life. Madame, de monsieur, de tous les membres de TBC, aujourd'hui, vous avez vu ce que Monsieur Camden a réalisé à cause de TBC. Il a pu construire cette belle duplex et franchement, c'est vraiment intéressant et il nous a appelé de venir faire ce témoignage pour que vous compreniez que vraiment TBC, ça lui a vraiment donné ce qu'il n'a jamais espéré. Et je vous encourage, toutes les personnes qui ne sont pas encore membres de TBC,
de venir suivre cette éducation, cette opportunité qui est vraiment fantastique pour tous les Camerounais, particulièrement toutes les personnes dans le monde entier. TVC has really come to change life and to make people to realize what they have not been able or what they could never dream of realizing. So we are so happy for Mr. Camden Florel. Bon, dis-moi, comment est-ce que tu sens maintenant? Non, aujourd'hui, à l'époque, il y a cela, beaucoup d'années quand il fréquentait encore, je voulais toujours aller en Europe. Oui. Aller en Europe parce que c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Mais je ne savais pas que les opportunités pareilles pour arriver qu'au pays. Wow. Donc, c'est, aujourd'hui, je conseille tous mes amis, tous ceux qui rêvent toujours d'aller mourir dans la Méditerranée, dans la mer là-bas, tous ceux qui se disent qu'il y a là que le bonheur en Europe, mais que aujourd'hui Dieu en est disponible. Il y a l'opportunité qu'il nous trouve en Afrique. Quand on va croire et faire beaucoup de choses, cette opportunité, jusqu'à les autres vont encore quitter l'Europe pour nous trouver ici en Afrique. Pour que l'abondance nous réjouit et que l'abondance nous fait avancer dans tous les sens. Amen, amen. Did you hear that, guys? He said when he was younger, he was almost dreaming, or always dreaming to go overseas to go and look for better opportunities. But today he has realized that he can actually be in this country and do what others while overseas can also do. So there's no need for you to go and die in the water or whatsoever, because you want to go for greener pastures, that in his country he can also achieve those greener pastures. So fellow Tibetans all over the world, we want to thank you so much for watching, and we hope that you will hang up with us as we teach you, educate you, and tell you, show you how TBC works, and for you to enjoy this abundant life that we are actually enjoying. Thank you so much. Ciao. Yeah.